Alors, en résumé, atterrissage en Suède et ensuite début de la grande aventure en direction du petit village d'Argeplog, qui est quand même situé à seulement 70 km du cercle polaire arctique. En tout cas, c'est là que vous attend tous les membres du team du Laponie Ice Driving pour un stage de 2, 3, 4 jours de rêve au pays de la conduite sur glace. Et croyez-moi, ici plus qu'ailleurs, ça glisse au pays des merveilles. Présentation par le maître des lieux. On est ici à Argeplog, on va dire dans le haut lieu de l'industrie automobile hivernale, en particulier les systèmes d'aide à la conduite, ABS, anti-patinage, système de contrôle de dérive, mais également tout ce qui a trait au froid, par exemple l'électronique moteur pour les démarrages à froid, la pollution, etc., etc., dans des conditions difficiles. Et puis également, évidemment, tout ce qui est validation des véhicules, endurance, résistance au froid, sur des milliers de kilomètres. Voilà. J'ai eu, dès la première année, des clients qui n'avaient pas de contact direct avec l'automobile, mais que l'idée de la Laponie séduisait, que le contexte du pilotage sur glace séduisait. Eh bien, on a vraiment la sensation que en quelques jours, on va pouvoir arriver à maîtriser une auto, alors même que, eh bien, on en a pas même les rudiments avant de venir. Donc effectivement, c'est des choses qui peuvent séduire n'importe quel amateur d'automobile, même s'il fait pas de la compétition. Il est vrai que de décider ce qu'une auto va faire, c'est un, extrêmement rassurant, et deux, extrêmement satisfaisant. Nous disposons d'un site de 120 hectares sur lequel sont disposées 4 pistes, dont la reproduction à l'échelle 1 du circuit du Castellet. Au-delà de cet espace immense, les conditions de sécurité sont totalement optimales. On va ensuite travailler des exercices toujours sur l'air plane, tels que dessiner des 8 ou faire des 0. Autour de ces grands cercles, on va apprendre également à s'approcher de la corde, s'éloigner de la corde, donner plus d'angle à la voiture, donner moins d'angle. Bref, décider exactement de ce qu'on veut de l'auto. Une fois toutes ces techniques de base acquises, eh bien on va ensuite passer sur le circuit technique, avec des vitesses d'évolution comprises entre 40 et 90 km/h, beaucoup de virages, des renvois d'un virage à l'autre, des appels contre appels, etc., où on va donc appréhender la dynamique de l'auto, y compris dans ses transferts de charge, etc., et on va apprendre à jouer de cet équilibre de l'auto, déstabiliser les cieux qui nous intéressent, les cieux avant, les cieux arrière, contrôler, etc. Et puis, enfin, une fois que l'aisance est prise sur ce circuit technique, eh bien, on va passer au sein du sein. La récompense, qui est le circuit du Castellet, où en fait les vitesses de passage en course sont très élevées, les courbes sont très larges, la ligne droite du Mistral nous permet d'être propulsé à plus de 200 km/h. Donc évidemment, tout ça requiert une grande aisance, parce que une demi-seconde de retard à 200 km/h, c'est tout de suite 30 mètres trop tard. Les marques de véhicules qu'on propose à la réalisation de ces prestations, on trouve des Porsche, on trouve des BMW, on trouve des Mitsu pour ce qui est des 4 roues motrices, et donc l'ensemble de ce parc effectivement est joli à l'œil. J'ai une grande passion, on va dire, pour les prestations que l'on réalise ici. J'en suis très fier, parce que recherche de performance et maîtrise absolue du véhicule, principalement les formules qui sont demandées sont des formules où il y a 2 pilotes qui vont partager le volant d'une voiture toute la journée. Et puisqu'il y a 8 heures de présence du véhicule sur le lac, ça veut donc dire que chacun d'entre eux va passer chaque jour 4 heures au volant. Il aura parcouru en 4 heures quasiment 300-350 km. On s'est amusé l'autre jour à faire le calcul du kilométrage parcouru en une saison de Trophée Andros. Eh bien, il est moins élevé que le kilométrage qu'on peut parcourir ici en une seule journée.